Je vais vous commencer par vous présenter la première conférencière, Mme Jacqueline Rousseau. Mme Rousseau, elle est professeure titulaire à l'Université de Montréal et chercheure à l'Institut universitaire de gériatrie. Ses recherches concernent le maintien dans la communauté, l'accessibilité universelle et personnalisée. Parmi ses réalisations, notons le développement du modèle de compétences expliquant la relation personne-environnement sur lequel se fonde une batterie d'évaluations, entre autres évaluation à domicile de l'interaction personne-environnement. En 2010, la prestigieuse reconnaissance « Le mérite du CIQ » lui a été attribuée par l'Office des professions du Québec. Madame Rousseau va nous parler de la conception des rampes d'accessibilité. Est-ce que c'est la vision d'une société inclusive? Madame Rousseau. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Pas du tout, hein? Oui? OK. Je préfère ne pas rester assise pour vous parler. Alors, bienvenue à cette présentation aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence. Alors, nous avons une question, la question du jour. La conception des rampes d'accessibilité se situe-t-elle dans une vision de société inclusive? Donc, ça ne marche pas. OK. Je vais d'abord vous faire un petit plan de la présentation. Je vous présente tout d'abord le contexte et le but de la recherche, la méthodologie qu'on a utilisée, les résultats, une discussion et certaines recommandations qu'on aura dégagées et une conclusion. Contexte et but de la recherche. Alors, il semblerait que l'accessibilité universelle favoriserait la participation sociale. Mais qu'entend-on exactement par accessibilité universelle? La définition dans la littérature la plus fréquemment répandue est la suivante. On parle de conception de produits et d'environnements qui vont être accessibles à tout le monde et idéalement sans conception spéciale ou sans adaptation. Et de cette accessibilité universelle, on a dégagé dans la littérature sept principes qui sont les suivants. On va parler de produits, de conceptions, d'environnements qui vont être utilisables par tous. Tous avec un grand T, ça veut dire tout le monde, incapacité ou sans incapacité. On va parler d'une utilisation flexible, simple, intuitive, un accès à l'information qui sera aussi facile à comprendre et facile à interpréter, une utilisation sécuritaire de ces conceptions, produits, environnements, avec le plus possible une exigence physique qui va demander le moins possible d'efforts. Et enfin, on veut des utilisations et des espaces totalement accessibles. C'est donc dans cette perspective d'accessibilité universelle que nous avons réalisé la présente recherche qu'on vous présente ici aujourd'hui. Et on visait deux objectifs en particulier. Le premier, c'est de faire le constat des normes qui sont déjà établies concernant la construction des rampes d'accessibilité. Et dans un deuxième temps, on a voulu dégager certaines recommandations qui pourraient, ou on pense qu'ils devraient être dans cette logique de design inclusif ou d'accessibilité universelle. Ça nous amène à la méthodologie de cette recherche qui est une recension des écrits qu'on a fait à la fois dans la littérature scientifique, donc avec les bases de données les plus fréquentes utilisées comme Medline, CINAHL, et on a couvert les années 2000 à 2013. On a aussi été fouillé dans la littérature qu'on appelle la littérature grise, qui est la littérature non scientifique, comme par exemple les codes de construction, les documents gouvernementaux. Et comme critère de sélection, dans ces documents, on devait retrouver des informations concernant la personne, donc qui a des incapacités ou des problèmes de mobilité, et on devait avoir aussi des informations concernant la construction d'environnements bâtis, par exemple des normes.
Et toute cette information-là, on l'a analysée de façon qualitative en dégageant des catégories pour ensuite dégager 5 thèmes en particulier qu'on va voir pour les résultats de cette recherche. Donc, au total, on a eu plus de 1000 documents qui ont été répertoriés. 58 seulement ont été retenus parce qu'ils répondaient à nos critères. Et le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a très peu d'évidence scientifique concernant les normes pour les rampes d'accessibilité. On a donc classé notre information sous les 5 thèmes suivants, qui sont rampes d'accessibilité et usagers, matériaux et climat, repérage visuel des rampes d'accès, wayfinding, que je vais vous expliquer tout à l'heure, et on parle aussi de durabilité et d'esthétique par rapport aux rampes d'accès. Je vous amène donc au thème 1, rampes et usagers, où on a dégagé en particulier les informations suivantes. Les normes de construction des rampes d'accès sont peu appliquées, et lorsqu'elles le sont, elles sont souvent appliquées de façon erronée. Il y a aussi des disparités dans les documents, des disparités au niveau des villes, au niveau de leur code du bâtiment, au niveau des provinces et au niveau des pays. Par exemple, le code national canadien sera différent de celui des Américains. On a aussi noté une absence d'expertise multidisciplinaire, ce qui entraîne souvent des solutions inappropriées, c'est-à-dire qui vont avantager certaines populations au détriment de d'autres. Les faiblesses les plus marquées sont au niveau de la dénivellation des pentes. Il n'y a aucune uniformité. Et on recommande encore trop souvent dans les documents la pente d'une dénivellation 1-10. On a aussi des problèmes avec les paliers dans les rampes d'accès, c'est-à-dire les paliers d'arrêt lorsqu'on veut ouvrir une porte et entrer dans un bâtiment, ou encore le palier d'arrêt pour nous permettre de nous reposer parce que la pente est trop longue. Et souvent, ces paliers ont des dimensions qui causent des problèmes aux gens en fauteuil roulant motorisé. Et finalement, dans cette littérature, on est encore bien campé dans ce prototype du jeune paraplégique homme en fauteuil roulant, en pleine forme, fauteuil roulant manuel. Et bien sûr, ce qui correspond à ce profil ne correspond pas à tout le monde. Deuxième thème, les matériaux et le climat. Rapidement ici, ce qu'on soulève dans certains documents, on parle de la résistance à la force de propulsion en fauteuil roulant manuel de certains matériaux. Donc, on comprendra que, par exemple, une rampe d'accès en bois peint ou encore qui est en bois non traité va être glissante, donc ça devient un problème. Et des surfaces gazonnées vont être beaucoup plus exigeantes en termes de force de propulsion que, par exemple, une rampe d'accès en béton. Troisième thème, j'ai de la misère avec mon pointeur, le repérage visuel. On parle ici dans les documents de faire davantage d'efforts au niveau de tout ce qui est lumière, donc lumière, éclairage, éblouissant. On va même commencer à suggérer que la rampe d'accès extérieure, par exemple, devrait avoir un éclairage minimal de 200 lux. On va aussi porter de plus en plus une attention aux couleurs et aux contrastes qu'on va utiliser pour les rampes d'accès. Par exemple, d'ajouter des bandes de couleurs contrastantes ou de textures contrastantes pour bien délimiter le début de la pente dans ma rampe d'accès et aussi l'endroit où elle termine cette pente-là. Au niveau du thème numéro 4, ce qu'on appelle le wayfinding. Qu'est-ce que ça veut dire, le wayfinding? Ça réfère à comment je peux me localiser ou me repérer dans un espace public, par exemple. Donc, quand on applique les principes de base du wayfinding, on va être attentif à fournir une information qui va être cohérente, une information aussi qui va être stratégique, donc à des endroits stratégiques, et qu'on va rappeler de façon régulière sur le parcours qu'on doit faire pour se rendre à destination. Et cette information, elle doit être facile à comprendre aussi. Donc, c'est particulièrement important le wayfinding pour, je dirais, tout le monde d'entre nous, mais en particulier pour les gens qui ont des problèmes visuels et cognitifs. Un exemple de wayfinding, tout le monde a certainement vu ce type d'affiche dans les centres commerciaux ou les lieux publics. Si on remarque en haut à gauche la flèche qui nous indique la direction pour les ascenseurs et les boutiques, on a une petite confusion. Est-ce que je continue tout droit ou je dois monter un étage?
c'est le genre de confusion que si on appliquait les principes de wayfinding, on arriverait à une meilleure information à communiquer aux gens qui circulent dans les espaces. Le thème 5, qui est notre dernier thème, est la durabilité et l'esthétique. On commence dans la littérature à se préoccuper de cette conception verte des rampes d'accès en préconisant à la fois une durabilité écologique et une durabilité économique, entre autres en utilisant le plus possible des produits locaux, etc. Et l'aspect esthétique, qui a été très longtemps négligé, refait surface. Je dis refait surface parce que ça a déjà été une préoccupation, mais qui était plus ou moins considérée. Cet aspect esthétique, on le remet en perspective et on essaye le plus possible d'intégrer les rampes d'accès dans les environnements. En termes de discussion, je reviens à notre question de départ. La conception des rampes d'accessibilité se situe-t-elle dans une vision de société inclusive? Notre réponse serait non pour l'instant. Mais il y a eu de nombreux efforts qui ont été déployés. Ce que l'on peut ressortir des recommandations actuelles dans la littérature pour nous amener un peu plus vers cette conception d'accessibilité universelle et de société inclusive, ce sont les éléments suivants. On va favoriser le plus possible une pente de ratio 1-20. On va préconiser aussi des surfaces qui seront antidérapantes, assez ferme, durable, sans inégalité, sans motif pour ne pas venir nous perturber dans notre opérage, et une surface aussi qui sera résistante aux intempéries, et on comprend bien qu'au Québec, c'est important. Percevoir la pente aussi. Alors, je dois ajouter des bandes de couleurs contrastantes ou textures contrastantes, pour bien délimiter où je commence à monter cette pente et où elle se termine, cette fameuse pente. On va aussi vouloir que cette pente soit bien visible. Je ne vais pas la chercher si je m'en vais dans un endroit public. Donc, elle doit être d'une couleur contrastante par rapport à l'environnement adjacent. Et on devra aussi, dans la construction de cette pente-là, prévoir un éclairage qui sera uniforme et qui évitera les zones d'ombre ou encore de l'éblouissement. Et dans la construction idéale, on essaiera d'éviter les courbes ou les changements de direction. On veut aussi la repérer facilement, cette rampe-là, donc qu'elle soit visible facilement, qu'il y ait une signalisation claire et compréhensible de tous. Certainement, vous avez déjà été dans des endroits publics où, dans les cahiers qu'on consulte ou la documentation, on dit que ce restaurant, par exemple, est accessible. On arrive sur place, on ne voit pas la rampe d'accès. Pourquoi? Il n'y a aucune signalisation et elle est en arrière de l'établissement. Donc, la signalisation est un élément important ici. Et les qualités de la rampe devraient être cet esthétisme intégré à l'environnement. Je conclue. Alors, la conception des rampes d'accès dans une vision de société inclusive, comment peut-on y arriver? Alors, on sait très bien que la population est de plus en plus vieillissante, donc on doit certainement s'attarder et de façon prioritaire à considérer dans nos conceptions la diversité de la population. On doit aussi promouvoir l'expertise multidisciplinaire de façon à bien mieux analyser et mieux comprendre les enjeux et éviter des solutions paradoxales, donc de trouver une solution pour un type de population au détriment d'une autre. On devra aussi stimuler davantage de recherches. On a bien dégagé qu'il y a peu d'évidence scientifique. En ayant plus de recherches pour établir des données probantes sur ce qui en est par rapport à l'accessibilité, on devrait aussi en arriver à avoir une meilleure uniformité dans les normes qui sont proposées. Et ça nous amène vers notre grand défi, qu'est le design inclusif. Pour en arriver, on l'espère, à avoir des designs qui seront pour tous, avec ou sans incapacité, et sans aucune discrimination. Merci de votre attention. Merci, Madame Rousseau. Question for Ernesto and Jacqueline. I'm a practicing architect, and the hard data research that you both do is phenomenal for the industry in helping us move forward and advance.
in our knowledge. The question that I have is about ramps. And what are your next steps in that research? Are you looking at a social approach on understanding from the community about the equality issue and the entry to buildings and what's kind of preferred? Is that the approach that you're taking to kind of define if ramps, you know, are the way to go or what other options there are? Okay, thank you for your question. You read in my mind, because the last slide was about the next step. So these results today will be published in a few months in the Canadian Journal on Aging, so you will have more details about what I've talked about. And the next step is a survey. We would like to question people that use the ramps and have their opinion about what is wrong, what is okay, and what could be done for improve the actual norms about the use of ramps. And we would like to do this survey with people who are improving, who are living with disabilities, but also people who are not. So people like you and me, and sometimes we prefer to use ramps because it's more easy. And people who are helpers are also have some point of view about that. So if you push someone in a wheelchair and the ramp is too inclined, you will need more effort. So we want to have also the opinion of these helpers. So. Je rajouterais peut-être à ça que la rampe, c'est un élément qu'il faut documenter, qu'il faut étudier, parce qu'on a des lieux existants et la rampe va demeurer la seule façon de rendre accessible des lieux existants. Quand on parle de nouveaux lieux, de nouveaux bâtiments, à ce moment-là, la rampe, c'est pas quelque chose qui est nécessaire si on peut avoir une entrée de plein pied. Donc, faut garder ça en tête, que la rampe n'est pas la solution, mais une solution de rétrofit, parce que nos lieux sont pas implantés de la bonne façon. Oui, bonjour. Mon nom est Laurent Morissette. Je suis vice-président du RAPLIC, Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Écoutez, je vous remercie d'abord pour ces présentations. Ça a été très enrichissant. Je sais que ma question n'aura peut-être pas été abordée dans la présentation, mais je trouve que c'est important quand même de la poser. Suite aux présentations que j'ai assistées hier et aujourd'hui, le mot d'ordre général, c'est la concertation, la communication, et puis vraiment de se centrer sur vraiment les besoins des gens. Et puis moi, je voudrais avoir votre opinion par rapport au fait que, je veux dire, il n'y a pas d'uniformité par rapport au code de construction canadien et québécois, et par exemple aussi au guidelines, comme on dit, et puis par rapport au code de construction québécois, on a l'article 193 qui dit qu'une municipalité ou qu'un organisme peut se doter d'une norme et d'un code qui va plus loin que les normes établies. Alors moi, j'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce qui rend les villes et les organismes frileux à établir un code spécifique pour leurs besoins et de l'accessibilité? Bon, je pourrais peut-être essayer de répondre pour commencer. En fait, la question de M. Morissette, c'est qu'au Québec, on a une réglementation de construction qui s'adresse aux édifices publics, aux plus gros bâtiments, et les plus petits bâtiments sont de juridiction municipale, et on a environ 1000 municipalités au Québec qui peuvent adopter leur propre réglementation de construction pour les bâtiments sur lesquels ils ont une capacité d'agir. Donc, on a une réglementation qui est relativement uniforme pour les gros bâtiments au Québec, mais une réglementation qui peut être très variée d'une ville à l'autre pour les plus petits bâtiments.
les municipalités ont la capacité d'adopter une réglementation qui est supérieure à la réglementation du Code de construction du Québec sur leur territoire, mais c'est quelque chose qui est peu fait jusqu'à présent. Donc, sa question, c'est pourquoi ça, c'est peu fait? On se pose la même question par rapport à pourquoi notre réglementation provinciale n'est pas plus élevée qu'est-ce qu'elle est actuellement. Et notre façon de réglementer la construction au Québec, ça a toujours été de réglementer pour le minimum, en deçà duquel on ne peut pas construire, sinon ce n'est pas sécuritaire, stable, etc. Donc, l'accessibilité va dans ce même sens-là. On n'est pas dans les mêmes approches que ce qu'on retrouve ailleurs dans le monde, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis ou même en Ontario. Donc, ça pourrait expliquer, mais il faudrait poser la question à nos élus. Alors, merci pour votre question. J'ajouterais un point qui est le suivant. Et ce n'est pas typiquement relié au Canada ou au Québec. Si on fait juste se pencher sur les recommandations qui existent dans n'importe quel document, que ce soit des codes du bâtiment ou des documents gouvernementaux ou des articles scientifiques, même s'il n'y en a pas beaucoup, fondamentalement, on n'a pas suffisamment de recherche qui se fait pour pouvoir démontrer qu'est-ce qui répond le mieux, par exemple, comme ratio pour l'inclinaison d'une rampe d'accès. Tout le monde est allé un peu avec le meilleur de ses connaissances et le gros bon sens, ce qui a permis de faire avancer les choses. Mais on se rend compte qu'il y a tellement peu de recherche que est-ce que demain matin, si on construit une rampe d'accès avec la norme 1.10, 1.12, 1.20, qu'est-ce qui correspond le mieux à la condition de la majorité de la population? On sait maintenant par expérience, essai et erreur, que 1.10, on devrait ne plus jamais parler de ça. Mais on le sait par essai et erreur et quelques rares recherches. Et donc, il faut davantage avoir de la recherche pour avoir une objectivité par rapport à qu'est-ce qu'on devrait recommander pour la population de façon générale. Et ma réponse est en lien avec les deux points que vous avez soulevés et ce que tu viens de mentionner. C'est que c'est difficile pour les municipalités de savoir comment appliquer les choses et qu'est-ce qu'ils doivent appliquer parce qu'à la source, on n'a pas les informations suffisamment bien démontrées scientifiquement pour dire voici ceci, ça fonctionnerait avec la majorité de la population ou avec personne. Donc, il faut aller vers d'autres avenues. Donc, je pense que ça, c'est un élément qui peut expliquer en partie la situation et ce n'est pas spécifique ici, c'est comme ça à travers le monde. Merci.